Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être sur YouTube, c'est un blog et tout se passe plus sur les blogs. Je vous rappelle que j'ai des bons prix pour TomTop, GearBest, Geek Buying et d'autres boutiques en ligne. Aujourd'hui, c'est TomTop qui m'a envoyé trois échantillons, des petits écouteurs autonomes qu'on met dans les oreilles, une mini caméra avec son package bien sympa. Donc c'est une marque no name, c'est en dehors, mais elle est pas trop mal. Et un bracelet connecté qui s'appelle G16 Power Fitness. Donc tout d'abord, les écouteurs, ça c'est vraiment vraiment génial, ça coûte que 10 €. C'est censé concurrencer les iPods, les AirPods. Bon, ça ira pas très loin parce que c'est un peu plus gros. Ça n'a pas du tout la même autonomie. Si vous tenez 2 heures, ça sera bien le maximum. C'est un peu gros, par contre ça se met facilement. Le son, on va parler rapidement, c'est très aigu, il n'y a pas du tout de basse. Donc si vous cherchez une solution avec des basses, ça ne sera pas ça. Par contre, ça, c'est facile d'utilisation. Vous les sortez de la petite boîte qui sert aussi à recharger. Vous les allumez l'un puis l'autre, ils vont se connecter ensemble et ensuite vous les connectez au téléphone. Pour la téléphonie, le son est moyen, il faudra à tout prix en éteindre. Lorsque vous êtes sur un de ces appareils, le son est largement acceptable. Si vous en avez deux, c'est pas... Par contre, ça offre vraiment, vraiment une liberté. Alors, ils sont pas marqués left and right. Par contre, on peut pas... ils sont différenciés. C'est un peu gros, mais c'est pas les plus gros que j'ai eu. Donc, c'est pas mal, ça vaut que 10 €, sûrement pour les transports. Après, c'est pas pour les audiophiles du tout, du tout. 2 heures d'autonomie. Ensuite, j'ai reçu ce bracelet. Donc, ce bracelet, ça fait 2 semaines que je le teste. Eh bien, figurez-vous qu'il est pas mal. Il est assez léger. La petite particularité, c'est qu'il fait aussi tensiomètre. Par contre, il faut avoir une tension de champion puisqu'il ne faut pas dépasser les 12 et pas être en dessous de 7. Il fonctionne plutôt bien, il est facile d'utilisation, il est léger, on l'oublie complètement. Il faut par contre savoir le placer sur le poignet, pas trop serré. Si vous le serrez trop, vous allez avoir des pas qui vont être oubliés. Si vous le serrez trop lâche, des pas qui vont être comptés en trop. Donc à l'usage, on arrive à trouver ce qu'il faut et ça marche plutôt bien. Donc ce qui fait la force d'un bracelet maintenant, c'est pas tellement le bracelet parce que tous font des bracelets. C'est l'application. L'application, voilà, elle ressemble à ça. Elle est extrêmement simple d'utilisation. Vous avez ce qui se passe dans la journée, les nuits et le sport. Et le sport, vous avez un petit suivi sur une carte. Donc c'est plutôt bien fait. Ça, je ne sais plus combien il coûte, 16 € peut-être. Surveillez les bons plans. C'est pas mal. Et ça existe, il existe en plusieurs couleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Color. Donc il y a des couleurs très très sympas comme le jaune, le bleu. Ça peut faire un cadeau sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez le droit de lâcher un pouce bleu ou vous abonner, ce qui est le mieux pour nous. Sinon, bah, vous faites comme d'habitude. Je vous rappelle que tout se passe sur le blog.